Mais quel bouffon, c'est l'heure du JT Comics. Le JT quoi ? Pardon, pardon, hop, laissez-moi passer, hop, pardon, merci, hop. Ah, voilà, c'est ma rédaction. Ouais, moi j'étais en vacances, j'avais zappé. Je cherchais Namor. Mais non, j'étais pas en... Enfin oui, je suis en vacances, mais je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas, tout de suite, c'est les news de la semaine. DC wins. Bon, c'est peut-être pas très représentatif, hein, puisqu'il y a encore l'effet Rebirth qui n'est pas retombé. Mais pour le mois de juillet 2016, DC met Marvel KO en termes de part de marché dans les comics vendus. 36% pour Marvel et 41% pour DC. Alors que l'éditeur a un tiers de comics en moins sur les étalages, hein, puisque Marvel a 87 comics contre 63 pour DC. Alors il apparaît très clairement que la hype est plus grosse pour Rebirth que pour la seconde Civil War de chez Marvel Comics. Et peut-être que le mois d'août va confirmer et creuser cet écart, hein, puisque selon de solides sources proches des distributeurs de comics, Harley Quinn numéro 1, donc le premier épisode de Rebirth de la folding préférée des Américains et d'à peu près tout le monde entier actuellement, s'est vendu à environ 400 000 exemplaires avec entre 60 000 et 100 000 variantes cover, hein, le fameux effet variante, et il y en avait beaucoup sur Harley Quinn numéro 1. Et on peut aussi parler du premier numéro de Batman All Stars, hein, de Romita et de Snyder, qui s'est vendu, selon les estimations, à 350 000 exemplaires. Et cette tendance, hein, se confirme en regardant le pourcentage d'abandon entre le premier numéro et le deuxième numéro des titres Rebirth, hein, qui est beaucoup plus bas que la moyenne pour un reboot, relaunch, enfin appelez ça comme vous voulez. Et aussi également pour les commandes, les recommandes, les retours en stock qui dépassent même les estimations de DC. Donc pour tous ceux qui lisent en VO, hein, parmi les abonnés, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est mérité ou si vous pensez que Marvel va forcément revenir sur le devant de la scène sans non plus trop compter sur les variantes cover pour gonfler le volume des ventes, hein, on sait très bien comment ça se passe. Un bonus de la Civil War. Et oui, pour une fois que nos séries de comics préférées, ou pas d'ailleurs, ne s'arrêtent pas brusquement avant leur terme, bafouant complètement les petits droits et les petits sous aussi, parce que quand on a commencé à payer pour une série, on aime bien qu'elle se finisse des fidèles lecteurs. Eh bien, il faut le dire, hein, et Brian Michael Bendis a annoncé, donc sur son Tumblr, que Civil War allait avoir un 8e épisode, et Marvel a donné le feu vert au lieu des 7 initialement prévus. Alors la première raison donnée par Bendis sur son Tumblr, c'est qu'il a trouvé une meilleure fin pour le crossover et qu'il avait besoin de plus de pages pour la raconter. Et dans la version officielle donnée par Marvel Comics sur leur site, ils disent que la fin est la même, mais qu'il a trouvé une façon différente de la raconter qui demande plus de pages et donc un numéro supplémentaire. En tout cas, Bendis nous dit que si on sait déjà, hein, puisque ça a déjà commencé aux États-Unis, que cette seconde Civil War va changer le visage de l'univers Marvel à jamais, un petit peu comme tous les crossovers Marvel depuis environ 50 ans, j'exagère, ça va, je suis de Marseille. Eh bien, il a gardé en réserve quelques secrets que cet épisode numéro 8 va nous laisser sur le cul. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais bon. En tout cas, espérons que ça vaille le coup. Un comics disparu. Alors, il s'agit en fait d'un crossover entre Superman et Black Lightning, commandé par DC au plus vieil artiste noir employé par la firme Trevor Von Eden et scénarisé par Tom King, donc le futur scénariste de Batman et celui à qui l'on doit Sheriff of Babylon. Ça s'intitule Sources, Source. Alors en 2014, un éditeur très important chez DC, Eddie Berganza, propose le script à Von Eden, hein, donc qui se met directement à dessiner. Les premiers retours sur les crayonnés sont très bons de la part du staff de chez DC. Seulement voilà, Von Eden souffre d'une tumeur cancéreuse assez agressive, et alors qu'il récupère de sa dernière opération pour retirer cette tumeur et qu'il continue quand même à travailler sur les planches pour finir le projet, eh bien il fait face au silence radio de la part de DC Comics qui a déménagé entre-temps de New York à Burbank, donc sur la côte ouest. D'ailleurs, il ironise, hein, il dit « Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont ce comportement, moins qu'ils aient eu peur que je ne m'abaisse à l'altercation physique tant que ça se passerait à New York, puisqu'il habite là-bas. » Il rajoute « Vous savez, hein, les Noirs sont connus pour leur violence. Je n'arrive pas à penser à une autre raison pour ce comportement hautement non professionnel. » Donc, il arrive quand même, grâce à un contact tiers, à avoir des nouvelles, à finir le job, à être payé pour le job, mais à ce jour, il n'aurait encore eu aucune nouvelle d'Eddie Berganza, c'est quand même fou, et il n'aurait aucune nouvelle non plus
au sujet d'une éventuelle parution de l'ouvrage. Von Hidden nous montre quelques images, hein, et ce qui est intéressant, c'est que tout le script tournait autour du fait que les forces de l'ordre aux États-Unis gagneraient, hein, à confronter et à dépasser leur peur irrationnelle du noir. De l'homme noir, hein, pas forcément du noir. Le comics, hein, faisait d'ailleurs référence au meurtre de Michael Brown et aux émeutes qui ont suivi à Ferguson, avec des scènes de protestation et des scènes de foule assez magnifiques à regarder. Alors au début, Von Hidden était un petit peu inquiet que le comics perde de son aspect contextuel, hein, au fur et à mesure que les mois passent. Et puis finalement, hein, il est encore plus malheureusement parlant en 2016 qu'à l'époque. DC semblerait toujours vouloir faire paraître ce comics, et c'est tant mieux, hein, parce que les dessins et le script ont l'air complètement géniaux. Spawn à la sauce Deadpool. Alors pour les amateurs de cuisine, est-ce que vous connaissez la sauce Deadpool? Vous prenez un maximum de dérision, vous mixez la réalité, la fiction, hein, ce que les maçons portugais appellent briser le quatrième mur. Vous prenez des jeux de mots pourris, des blagues sur les noms des super-héros. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous obtenez la parfaite sauce Deadpool, digne de faire vendre les plats les plus fades et vos viandes les plus avariées. Alors le dernier à avoir été assaisonné grâce à cette mixture miracle, c'est Spawn, hein, qui se rend dans un one-shot à la SDCC, la San Diego Comic-Con, et il se met à tuer tous les cosplayers qu'il prend pour les vrais héros. Mélange, réalité, patati patata. Genre là, il croit parler par exemple à Ryan Reynolds, il lui dit qu'il n'y a pas assez de place pour deux héros dont le costume est assez similaire et dont le film est interdit aux moins de 16 ans. Bim, il le tue et il s'exclame « Tant pis pour ta suite Ryan, parce que maintenant tu es mort dans une piscine de sang. » Mort, piscine, je vous laisse faire votre calcul. Voilà, voilà, bon, je vous épargne, hein, le moment où il se fait écraser par le cadavre de Hulk et où il s'exclame, il doit y avoir Mark Ruffalo et Edward Norton à l'intérieur de ce ventre tellement il pèse. Bon, je vous avoue, ça m'a fait rire, mais heureusement que ça reste quand même qu'un one-shot parce que ça ressemble plus à une espèce de fanzine que tous les scénaristes auraient écrit bourré plutôt qu'au travail de Todd McFarlane et de J.J. Kirby, c'est celui qui donne à Spawn ce petit style chibi, hein, chibi, c'est en fait... Prenez une Funko Pop et vous lui mettez la tête ronde en fait. Non, c'est simplement en fait une version plus jeune du héros en question. Alors à prendre peut-être pour le délire, hein, on verra le prix. Je vous laisse me dire si ça vous fait kiffer ou pas. Plutôt molle, demi-molle ou fougue de dieu. Oui. Des bébés Kiss en comics. Eh oui, la société en charge du merchandising du groupe de rock Kiss a déposé la marque Kiss Babies pour un comics. Alors on peut donc se douter qu'une future série est en préparation chez IDW Publishing, puisque c'est le dernier éditeur à avoir les droits sur la licence, après que Marvel, Image et Dark Horse y soient essayés. Donc a priori, en plus de la série d'Amy Chu et de Cuber Ba, eh bien nous allons avoir droit à un autre titre, hein, du groupe de rock'n'roll en version Babies, tout petit. Pourquoi pas, mais faites attention à la sauce Deadpool et Chibi, ça peut user, puis ça donne des hémorroïdes à la fin. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez venir réagir, hein, et laisser vos messages pour le Bordeaux sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, où vous avez envie. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches et sûrement quelques petites annonces exclusives sur la chaîne, sur le futur, sur les projets. Ouais, mon petit bonhomme, on trace sa route. D'ici là, lisez, lisez et lisez. Faites attention au sable dans les comics, à la crème solaire, ça fait des taches, en fait, c'est un truc de fou. Et je vous laisse, moi, j'y retourne. Hein, allez. Pardon, pardon, mais poussez-vous! Oh! Ouf!